La vie, c'est une roue et la roue n'est jamais à la même place. Alors, il faudra bien qu'on parte un jour. Bon, ben, on n'y peut rien. On avait un prêtre qui était là, qui avait du boulot. Alors, il a cherché des responsables pour s'occuper de l'église. Et comme je venais d'être en retraite, ils ont dit, on va donner, on va dire, ils m'ont même pas demandé. On va bombarder le Daniel responsable de l'église pour 3 ans. Et ça fait 30 ans que je m'occupe de l'église. Je prépare pour que le prêtre il arrive, tout est là, hein. Que ce soit les bouquins, que ce soit les calices ou ciboires et tout ça, les hosties, le vin pour dire la messe, tout est prêt. C'est ça quoi. Et pourtant ça ne m'en met pas dans la poche, hein, mais c'est ça quoi. C'est tout des petits trucs comme ça qu'il ne faut pas oublier. Mais en ce moment, on ne se marie pas, il fait trop froid, alors quoi. C'est l'été qu'on se marie. Parce que l'apéro serait trop froide, alors quoi. Moi, quand je viens ici, surtout quand il y a le soleil, moi, c'est magnifique. Hein. C'est quand même. Hein. On peut être fier de son église quand on voit ça. Hein. Il faut que ça soit net. Je suis peut-être exigeant, hein, mais. je vais vous dire, je fais ça normalement. Je ne me pose pas de questions. C'est pas facile, hein. Au début, c'est pas facile, mais maintenant, tout n'est qu'habitude, hein. Et oui. C'est-à-dire que ça fait quand même 30 ans que je suis dedans, hein. Alors, y a des personnes qui viennent et puis qui sont intéressées, mais je leur dis, mais vous n'avez pas vu ça, hein? Je peux leur dire, voyez. Il vous pose une question. Oh, ben, c'est pas si vieux que ça. Ben, regardez voir le blason là-bas. C'est quand même marqué 1891 après le vitrail. Hein? Alors c'est pas si vieux que ça. Bon. Hein? Et celui-là ici, il y a le petit blason 1892. Parce qu'il fallait qu'ils mettent les murs pour tenir les vitraux. Autrement, ça ne tient pas trop bien. L'église a été construite en 23 mois. Et quand vous voyez le bâtiment, c'est quand même presque un record, hein, parce que c'est de la pierre, c'est pas des agglos. Hein. Alors il fallait que ça soit taillé, il fallait que ça soit sculpté et tout, quoi. Vous voyez ? Mais elle est inscrite pour être classée. Mais il paraît que ça peut être long. Après le vitrail, là, vous avez vu, il y a un petit blanc. Là. Et dernièrement, le maire a fait venir un verrier pour... Parce que dès que vous avez une brèche dans un vitrail, les oiseaux rentrent. Et les oiseaux, ça fait de la saleté. Hein.
Alors, certainement que ça va être fait, parce que le gars, là, il est venu il y a 8-10 jours. Il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Quand vous allez à une réunion, admettons, pour des funérailles, quand on vous dit qu'il y a une réunion à tel endroit, si vous y allez, il n'y a que des têtes blanches. Il n'y a que des têtes blanches. Dans le vitrail de gauche, mon grand-père maternel faisait partie de l'équipe du conseil de fabrique. Et j'ai mon grand-père maternel qui est dans le vitrail là-haut. Vous voyez, c'est drôle, hein? Oui, grand-père Lucien. Alors, vous voyez que... Hein, ça continue, quoi. Mon épouse me disait « Oh, tu devrais mettre un livre. » Ben, j'ai eu des gens de Saint-Quentin qui ont venu visiter l'église, et quand ils sont partis, ils m'ont dit « Elle est chouette, ta maison. Hein. » Non, c'est pas ma maison, mais j'y suis souvent quand même.